météo. C'est pas de la bonne neige aujourd'hui. Ce n'est pas comme le week-end dernier. On avait vraiment un chouette temps, tout blanc et bien froid, mais plutôt sec, hein. Ici, c'est la petite neige qui fait bien sa chiante parce qu'elle fond directement. Donc c'est berdouille partie et il fait très froid. On n'était pas du tout préparé à ça, donc c'est pas gai. Hey mes petites biches. Mais voilà, vous vouliez voir ce que ça donnait avec les cheveux ondulés. On revient d'une balade de plusieurs heures et sous la neige, comme vous avez pu voir avant. Donc autant vous dire que là-haut, ça ne ressemble plus du tout à rien. Mais ce qui est bien, c'est que mes cheveux ont déjà compris qu'il fallait se séparer à cet endroit-là. Donc quand ça va repousser, j'arriverai à la mettre là, mais pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. Enfin, je voulais juste vous montrer à quel point c'était comique, cette mèche. Je le savais que ça allait être particulier quand j'allais les faire moi-même. Parce que, j'ai pas le matériel adéquat, c'est-à-dire que je n'ai que ceci comme lisseur. Je ne sais toujours pas ce que je vais acheter d'ailleurs, entre un Remington ou le Steampod. C'est juste que je me demande si le Steampod ça vaut vraiment la peine, étant donné que maintenant j'ai plus beaucoup de cheveux et que ce serait surtout pour ma frange. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un Steampod juste pour se faire la frange? Et de temps en temps un brushing? Je sais pas, je sais vraiment pas. Mais voilà, sinon au niveau des boucles... C'est comme d'habitude, peut-être un petit peu plus défini que quand il s'était vraiment long. Et je vais essayer d'arranger cette frange absolument... J'arrête pas de dire ça ces derniers jours. Bah, qui voilà? Qui me rejoint dans la salle de bain comme toujours? Parce que si vous êtes une fidèle petite bibiche, vous savez que Pintou est complètement fan d'eau. Il adore l'eau, donc il adore se mettre sous la douche. Donc là, il est parti dans la baignoire en attendant désespérément que je lui ouvre le robinet. Tout va bien. Je vais essayer d'arranger un petit peu cette frange et je reviens vous montrer si j'ai réussi à faire quelque chose. On croise les doigts. Tant que je suis dans la salle de bain, je voulais vous montrer. On a acheté des petites mason jars, une petite et une moyenne, parce qu'on cherchait des pots pour mettre les cotons-tiges et les cotons-doigts. Et plutôt que d'acheter des bêtes pots de salle de bain, si je peux dire, je me suis dit que ce serait sympa. En fait, c'est super joli et ça coûtait vraiment pas cher. Ça coûtait... 1,75 et la moyenne 2,75 et on en a encore prise une plus grande à 3$ il me semble pour la farine. Donc si jamais un jour vous cherchez pour mettre des crayons, des pinceaux, des cotons-tiges et des cotons, voilà, je trouve que c'est super mignon. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il est temps de racheter des cotons et des cotons-tiges. Mais vous voyez, ça donne pas mal quand même. Coucou mes petites biches, je vous retrouve, nous sommes le dimanche. Encore une fois, j'ai oublié de vous dire au revoir pour le samedi. Et en fait, je voulais juste vous montrer cette tête. J'ai tout essayé. J'ai essayé lisser au lisseur, au sèche-cheveux. J'ai essayé de les laisser boucler. Donc juste en sortant de la douche, laisser mes bouclettes vivre leur vie. Je parle de ça, bien sûr. Et puis ça donnait rien. Et donc j'ai remouillé. Et comme j'avais mis du produit, vous savez, le sérum de iHerb, ça fait bizarre. Donc j'ai reséché. Ça a fait George Michael. Ça fait frange des années 80, et maintenant ça fait ça. Donc vous savez quoi, on est dimanche, tant pis. En fait, j'aime plutôt mieux quand ma mèche est un petit peu bouclée, pour cette fois-ci, hein. D'habitude j'aime bien qu'elle soit lisse, mais là, je crois que je vais la laisser un peu vivre sa vie le temps qu'elle pousse, parce que sur Pinterest, j'avais déjà vu beaucoup de photos de filles avec des cheveux plutôt courts, bouclée et avec la frange aussi bouclée, et je trouvais ça super joli. Je vous mettrai une petite image. Maintenant, je vais pouvoir incruster des images. Yes, yes, merci Final Cut Pro. Et je vous retrouve en mode peau au repos, parce qu'encore une fois, on est dimanche, et que comme on ne sort pas tout de suite, j'avais pas envie de déjà mettre le fond de teint. Maintenant, si on va faire un tour, je mettrai un petit truc. Mais en attendant, vous savez que c'est bon quand même de laisser respirer sa peau. Le Crowley est en train de nous préparer des raviolis, c'est super chouette parce qu'il aime bien de faire des pâtes fraîches, et là, ben, il s'est pris une petite envie, et il a pris ses outils, et il s'est mis à l'œuvre, et il nous fait des raviolis... Philadelphia et champignons, mais je me demande si c'est pas des cèpes. Et le Crowley est en train de se faire une session vieille chanson pendant qu'il cuisine. C'est assez drôle. Et là, vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de bazar. C'est parce qu'en fait, ce sont nos caisses du déménagement, mais les choses pour lesquelles on n'a pas encore d'armoire. Donc on va se racheter quelques affaires chez Ikea, notamment une bibliothèque, parce que en fait quasiment tout ce qu'il y a là ce sont des livres, et un meuble un peu comme un buffet, je sais pas trop si c'est exactement
ce meuble-là, mais qui est de la même collection, si je ne m'abuse, que notre meuble TV, qui est super beau, qu'on adore vraiment. Et on va le mettre dans l'entrée, là où il y a la chaise toute seule, où Pintou est toujours endormi. On va bouger ça, le pauvre. Il va être délogé de son endroit préféré. Et comme ça, on aura un peu de rangement et ça va faire du bien. Parce que mine de rien, on a beaucoup de placards, mais c'est vrai que dans une maison, quand on n'a pas une bibliothèque ou une armoire, ben ça fait un peu bizarre parce que... Enfin moi, mes livres, je vais pas les ranger dans des placards. Même s'il y a des étagères, c'est des placards comme des garde-robes avec des tringles. Et... Donc on met les vêtements, on a rangé les valises. Je n'oublie pas l'appartement tour, hein, vous inquiétez pas, mais... Ce sera quand les caisses auront été vidées. Et du coup, ben, petite commande Ikea en cours. Et on a rajouté aussi 2-3 affaires du style des verres à vin ou des planches à pain. Ce genre de petites choses qu'on ne prend pas quand on déménage à l'autre bout du monde. Enfin, qu'on a décidé de ne pas prendre. Parce que ce sont toutes des choses qu'on avait quand on était en Belgique. Mais c'était soit assez vieux, soit de la récup, soit... voilà, c'était... de nos mamans ou frères, sœurs, on a toujours vécu un petit peu comme ça. Et ici, ben voilà, on a pris le parti de recommencer à zéro. On a juste pris quelques affaires, notamment les livres, hein, comme je vous dis, parce qu'on est des grands sentimentaux et aussi fort attachés aux livres. Et donc voilà, et donc c'est toute une vie à faire. Je vais pas dire à refaire, parce que bon, on n'a jamais que 26, 27 ans, c'est pas non plus comme si on avait 50 ans derrière nous de possession. Mais malgré tout, quand ça fait déjà quelques années qu'on vit plus chez papa-maman, ben on accumule des choses. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer, je pense à ça maintenant, ma garde-robe. Étant donné que il y a plusieurs mois, j'avais fait un gros tri de garde-robe avec la méthode Marie Kondo. Je l'ai déjà dit dans un autre vlog, j'aimerais bien me racheter quelques basiques, du noir, du gris... des choses un peu portables en toute occasion et surtout qui peuvent s'associer. Mais du coup, quand on est parti de Belgique, concrètement, tous mes vêtements tenaient dans une valise. Donc ma garde-robe pour le moment n'est pas excessivement remplie. Pourquoi pas vous faire un closet tour pour vous montrer la manière un peu minimaliste dont j'ai trié mes vêtements, quels vêtements j'ai pris et pourquoi. C'est une proposition, c'est une idée que j'ai dans le coin de ma tête et que je suis en train de mettre en place parce que j'aimerais quand même bien que mon armoire soit... bien rangé, évidemment, et surtout que tous mes vêtements soient repassés et mis, parce que ça sert à rien de vous montrer « oui, j'ai 3 vêtements dans ma penderie » si c'est pour qu'il y ait la moitié dans la manne à linge. Donc quand j'aurai terminé mon repassage et que tout sera bien rangé, je pense que je vais filmer ça. Le Crowley est vraiment en train de se prendre un délire, et maintenant c'est « Let's Dance ». Je sais pas si vous entendez la musique, mais bon, au moins il y a de la joie de vivre, hein. Et alors, petite update météo, aujourd'hui il fait hyper beau, je sais pas combien de degrés il fait. 36 degrés Fahrenheit, oh, je mettrai combien ça fait en degrés Celsius parce que je suis pas encore au point avec les conversions. Hier on a été mais vraiment surpris par la neige, on est sortis, il faisait 1 degré, on rigolait en se disant ouais, en Belgique quand il faisait 1 degré on avait limite le bonnet, les moufles et surtout moi la grosse écharpe vu que je suis tout le temps malade. Et ici je suis sortie avec un foulard, j'avais mis mon bonnet mais c'était plus pour une question capillaire qu'autre chose. Et ouais, il faisait un peu frisqué mais on se disait ça va quoi. Franchement, quand on vit dans un pays où les températures sont beaucoup plus froides, on s'habitue à autre chose. Je veux dire, le corps se dit, oui, 1 degré, c'est pas si froid, quoi. Et quand on est sorti du Chelsea Market et qu'il neigeait, je vous ai filmé un petit peu, cette neige, vous savez, la neige mouillée, ça fait très bête de dire ça, mais il y a la neige qui tient, donc qui est plus grosse, plus épaisse, et il y a la petite neige, un peu comme une petite pluie qui vient vous piquer la peau, comme ça. C'était c'était vraiment pas gai. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Ça a un tout petit peu tenu dans l'herbe, mais au sol, évidemment, tout a déjà fondu. Et oh là là, quelle tristesse de ne plus voir ce sapin de Noël devant ma fenêtre. Je trouve vraiment qu'il manque quelque chose maintenant. Mais vous voyez qu'on a un temps absolument sublime. Magasin Strand, qui est une énorme librairie où il y a à la fois des livres neufs et d'occasion.
Il y a de très vieux livres, il y a toutes les nouveautés, enfin c'est énorme. Franchement, j'ai filmé quelques secondes, mais... Il y a trois étages. Il y a trois étages, il y a tout le temps énormément de gens. Et en gros, c'est le paradis. Ah, pour nous, c'est vraiment le paradis. Tantôt, je vous disais qu'on avait pris beaucoup de nos livres parce qu'on était très attachés à nos lectures. Et en fait, ici, on s'est retenu. On s'est retenu, hein, parce qu'il y en avait déjà deux, trois qu'on aurait bien aimé prendre. Mais le Crowley m'a très gentiment rappelé à l'ordre en me disant qu'il fallait d'abord que je finisse ce que j'avais commencé. Parce que je suis du genre à commencer des livres et à pas les finir. Enfin, ou à les finir, mais... sur longtemps. Donc défi du jour, enfin défi de ces mois à venir, d'abord terminer mes lectures avant d'acheter des nouveaux livres. Et par contre, on s'est trouvé chacun un agenda, c'est-à-dire le Crowley s'est acheté un agenda Moleskine hebdomadaire. Oui, avec... avec une page avec toute la semaine et l'autre page c'est une page ouais, lignée pour les notes. Et moi, je me suis pris le cahier Moleskine pointillé, dont tout le monde parle dans les vidéos Bullet Journal, parce que en fait le cahier que j'ai maintenant, c'est pas qu'il est pas bien, celui que je vous ai montré dans une des vidéos, mais il est ligné et pour faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas pratique. Donc je vais quand même continuer à utiliser l'autre, mais je crois que je vais commencer un nouveau Bullet Journal dans celui-là, dans le Moleskine. Oh, mon petit américain m'emmène. On ne s'arrête jamais un feu rouge ici. Si le feu est rouge, on traverse, dans l'autre sens. Et en fait, le cahier à pointillés, c'était le seul du magasin. Alors, je ne sais pas si ça n'a absolument aucun succès ici, ou si justement, c'est tellement les gens achètent des cahiers à pointillés pour leur bullet journal qu'il n'y en a plus en magasin. Mais il y en avait des bleus canards à couverture souple, et il y en avait un noir à couverture dure. Et heureusement, mon petit Crowley l'a chopé. On vient d'aller chez Duane Reed, qui est une pharmacie. Je vous ai déjà dit, hein, c'est comme un dit en Belgique, en plus grand et avec du jambon. Avec toutes sortes en fait. Des chips. Oui, des chips. C'est un truc qui n'a ni queue ni tête, mais soit. Parce qu'on avait besoin de... Enfin, il avait besoin de déo. Et donc on a pris un déo, un tube de dentifrice, un paquet de coton. Enfin non, il y en avait trois. C'était un pack de trois de coton démaquillant. Et des cotons-tiges. Et on a payé, tenez-vous bien, $30. Alors certes, c'était un déo Axe et un dentifrice sans sodine, mais quand même. Oui, mais tous les dentifrices, ça coûte $10. Oui, c'est vraiment dingue. Je pense qu'il va nous falloir un petit temps avant de cesser de nous étonner des prix ici. Peut-être que d'ici un an ou deux, on dira, bon, ça va. Mais pour le moment... $30 pour 4 trucs, ça fait encore mal. Ouais. Et ici on rentre tout doucement et on va se commander une petite tartine dans un restaurant qui s'appelle Tartinery. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je me souviens plus. Qui est un restaurant français en fait. Et enfin, il y en a plusieurs dans New York. Et c'est super bon, super bon. Si ça vous intéresse d'avoir les adresses, dites-le-moi et je les mettrai en barre d'infos. Ou je vous les mettrai en commentaire, parce que c'est vraiment une bonne adresse. Et on va souper avec ça du coup. On dit toujours que les Américains sont puritains, mais la déco pour la Saint-Valentin, c'est un peu sexy. Voilà, les fêtes sont passées. Ils ont enlevé les décos les dimanches. Ils ont enlevé les décos peut-être mercredi et jeudi. Ils ont mis la Saint-Valentin. On n'arrête jamais ici. On vous emmène au magasin. On a encore réussi à faire une interruption course. Je dis qu'on rentre et au final, on rentre surtout dans les magasins. Enfin là, c'était pour acheter du pain, donc c'est pas non plus qu'on a fait des folies. Sur ce, je pense que je vais terminer le vlog ici. Je vous montrerai certainement nos petites tartines à la fin. Quelques images pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Et j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. Il était bien consistant, je pense, parce que c'est vrai que le dernier ne faisait que 5 minutes. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rajouter sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. On ne le voit pas. Attendez, on va la refaire parce que... D'habitude il est à ma gauche parce que je tiens le téléphone à droite. Voilà, donc en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous
Et je vous dis à bientôt. Salut.